Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo astuces camas sur euh, Vulcania. Vous allez voir, c'est une méga mine d'or, il euh, y a beaucoup de camas brutes à générer à se faire, il y a beaucoup de camas à se faire et pas mal d'astuces. Euh, restez là, il y en aura trois, je voulais présenter les trois et je vais euh, je, je prends en compte euh, vos remarques dans les commentaires. C'est peut-être euh, peut-être qu'en ce moment, ouais, je suis un peu petit peu plus bruyant sur les sur les vidéos, donc je suis désolé. Donc là, je vais la structurer, il y aura trois astuces Kama. Euh, la première sur les quêtes, une sur les ressources et une euh, sur les captures d'âme. Vous allez voir, restez bien euh, dans la vidéo, comme ça vous aurez euh, vraiment euh, toutes les informations euh, au maximum. Donc déjà, la première astuce Kama, ça va être, euh, ça réside sur une quête euh, que l'on fait qui s'appelle euh, Les bons comptes font les bons amis. Donc là, plus vous avez de personnages, plus vous allez vous faire de Kama. Alors attendez. Donc en fait, par exemple, moi ce que je vous conseille, si vous avez plusieurs persos de 200 ou 199... Euh, sur vos comptes, euh, il faut vraiment euh, le faire. Ça s'appelle euh, Les bons comptes font les bons amis. Il y a quelques petites quêtes à faire euh, juste avant. Hein, une petite série de quêtes qui va très très vite à faire. Je n'ai pas encore terminé, mais c'était pour vous faire euh, la vidéo pour ce soir. Puisqu'on est dès le premier jour, il ne faut pas rater euh, ne serait-ce qu'une semaine. Vous allez voir pourquoi cette quête euh, donne un peu plus de 200 000 kamas euh, si, vous le, si vous la faites bien. Donc en fait, euh, il suffit. Euh, C'est pas compliqué, vous allez voir. Il vous demande euh, de faire un score. Euh, vous allez aller parler à des PNJ qui vont vous donner des chiffres. Euh, vous calculez le score via ces chiffres. Tout est expliqué ici. Euh, vous voyez ici par exemple, euh, il vous faut euh, euh, 215 pods. Et en fait, vous allez voir le, 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 le coût en pod des personnes que vous êtes allé euh, voir. Et vous avez juste à trouver euh, quel score fait 215. Une fois que vous avez euh, fait ça, vous lui donnez. Euh, la liste euh, des personnes euh, qui vous amène à euh, 215. Euh, donc, ici, vous avez euh, Piki, Nevark et Seb. Et donc, du coup, vous lui dites Piki, puis ne Nevark, puis Seb. Et c'est terminé. Vous gagnez euh, 220 000 kamas euh, par perso. Et c'est très rapide, hein, puisqu'il suffit d'aller parler à 4 ou 5 PNJ. Euh, ce que je vous conseille, euh, c'est d'acheter euh, ceci fois, euh, genre 8 ou 10. Comme ça, à chaque fois que vous ferez la quête, vous n'aurez pas besoin d'aller. Euh, euh, parler à ce PNJ pour acheter, donc vous les achetez, vous les avez pour toutes les semaines, donc c'est une fois par semaine, euh, 220 000 kamas par personnage. Imaginez, vous en avez plusieurs, euh, sachant que c'est juste aller parler à des PNJ, vous mettez des autopilotes, ça se fait littéralement en 5 minutes, en plus des petites quêtes qu'il y a avant. Donc, ça c'était la quête un petit peu à connaître. Euh, voilà, tout simplement, il y a une petite série de quêtes, franchement, prenez le temps de le faire, c'est vraiment ultra rapide, il n'y a pas de prérequis euh, autre que cette série de quêtes. Euh, la série de quêtes d'ailleurs si je vous la montre ici alors je, vais, je vais mettre ici vous allez dans événement euh, vulcania et vous allez sur euh, sur 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 est-ce que c'est trophée de chasse non est-ce que c'est tamponnier non euh, c'est celle-ci voilà donc vous avez juste à faire euh, cette série de quêtes et ça vous donnera beaucoup de kamas on va passer à la deuxième astuce kama euh, justement la deuxième astuce Kama, ce sont euh, les ressources euh, de la zone. Il faut savoir que dès les premiers jours, je vous conseille de vendre euh, vos ressources. Il faut savoir que vous ne vendrez pas tout, mais euh, le simple fait de vendre euh, 10 cendres vulnérables à 12 000, ça à 16 000, etc. Vous allez voir, vous allez en générer plutôt pas mal en faisant les quêtes. Euh, vous allez vous faire énormément de Kama, sachant que derrière, euh, vous êtes dans les recettes de tout ce qui est... Euh, pour chaque tranche de level, des items euh, de la panoplie. Euh, enfin, des panoplies euh, ben de, de la zone, quoi, tout simplement. Hop, je vais juste vous chercher d'autres recettes. Parce qu'ici, ce sont euh, des recettes assez ciblées. Mais normalement, vous devez avoir les items 150 aussi. Euh, de, euh, de Vulcania. Donc euh, là, ça doit être dans les. Vénérable, en fait, vous regardez un petit peu. Alors, c'est pas vénérable, purée, mais c'est pas possible. C'est, euh, vous savez, les, les petites, euh, les petites ressources. Alors, c'est un peu chiant, hein, mais en gros, il faut aller regarder. Euh, là, c'est vénérable. Le problème, c'est que j'ai, voilà, juvénile. Euh, vous avez euh, un petit item ici qui peut être sympa, peut-être à briser. Euh, vous avez juvénile, juvénile. Je cherche, euh, voilà, mature. Vous avez mature, vous avez la panoplie Godzilla qui coûte relativement, euh, qui a un certain coût, disons. Et en fait, le coût est porté par justement, vous voyez ici, 400 000, 600 000, etc. Et donc là, tous ces items-là, il faut les crafter en masse. Alors, petite astuce, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est euh, de vraiment stack énormément de ressources pendant la période de Vulcania. Et de quand, là, si vous les vendez les premiers jours et que vous faites des commandes, c'est très bien. Ensuite ça vraiment les ressources vont être surgénérées donc il y aura un aura, elles vont coûter très 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 peu cher et donc mon astuce c'est de les conserver parce que euh, je dirais vers euh, ne serait-ce que 2-3 mois après Vulcania, euh, si des gens veulent crafter une amulette de Grodzilla, et eh bien en fait <laughs> euh, les, les, les ressources ne peuvent plus être générées, donc euh, vous allez avoir des prix qui augmentent et bien évidemment euh, genre en juin prochain pour faire une panoplie Grasmera, Grodilla, etc. Ça, ça coûtera relativement cher. C'est pareil pour les items de la panoplie POAC, euh, qui coûtent absolument rien à fabriquer euh, pendant pack, mais qui coûtent un bras monstrueux euh, euh, quand vous vous éloignez justement de pâques et plus vous vous rapprochez de pâques donc euh, moins il y a de ressources euh, disponibles. Ça c'était la, la, la petite deuxième astuce, et on va passer à la troisième astuce, que vous aviez kiffé l'année dernière, mais je vous la redis, vous avez euh, les chasses ici euh, trophées de chasse je crois que c'est ici le safari des âmes euh, juvéniles il va falloir aller capturer tous les monstres alors les quatre premiers c'est assez facile c'est il faut capturer toutes les croquis donc ça en soi c'est pas <laughs> très compliqué l'astuce réside dans le fait alors moi je l'ai fait avant hein, je suis désolé je voulais vous l'ai pas dit l'année je vous l'avais dit un petit peu avant c'est en fait tu vas euh, hop on va aller à bonta tu vas euh, acheter les pierres d'âme d'Archimonstre de... Euh, comment on appelle ça De Vulcania. Moi, à la fin de Vulcania, l'année dernière, j'en ai acheté beaucoup parce qu'il faut savoir qu'à la fin de la... Quand tout le monde a fait ses quêtes et tout le monde les a capturées, etc., plus personne n'en a besoin. Euh, ça vaut plus rien, donc j'en ai acheté pas mal. Alors, il faut que je retrouve sur qui je les ai. Euh, il se peut que ce soit sur les nues ou quelque chose comme ça. Enfin bref, euh, vous allez avoir toutes les croquis, etc. Donc, je vais vous montrer comment on les trouve. Donc, moi, petite astuce, vers la fin de Vulcania, achetez-les. Et quand vous, les quand vous les trouvez là, actuellement, à ce moment-là, à T, ne faites pas les quêtes. <laughs> vous pourrez les faire à la fin, les quêtes, c'est pas très grave. Vous les revendez. Je vais vous montrer pourquoi. Euh, ouais, on tape pas croquis. Hop, hop, hop. Et pourquoi ça met croquis Ok. Euh, pierre d'âme pleine d'archimonstres. Et c'est ici qu'on va taper croquis. Croc. Donc là, normalement, vous allez avoir toutes les euh, pierres d'âme. Donc là, vous voyez que. Euh, ça débute à 100 000 Kamas et sachant qu'il y en a euh, des, des 150 etc qui montent vraiment très haut, vous voyez ici, euh, qui peuvent monter à des prix monstrueux. Alors moi justement, j'attends un petit peu que tout le monde les achète pour pouvoir mettre euh, les miens en vente. Parce que ça, croyez-moi, une personne qui est pressée, qui part en vacances bientôt, il va les acheter. Et euh, ça, ça part l'année dernière. Je me suis fait un max de pognon avec ça. Et regardez, juste ce matin, <laughs> juste mais vraiment première, première matinée que je fais, euh, je formais pas, je, je cherchais pas. Hein. Mais vraiment, je m'en suis fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Euh, vous en avez là, Croquage la Vorace, il me semble l'année dernière, elle coûtait relativement cher. Donc par exemple, si on prend euh, crocas. vous voyez Crocasse la Vorace, je vais la vendre euh, 400 000. Euh, croquer l'entamé, euh, bon, on va pas toutes se les faire, hein, mais Croquer l'entamé, 110 000. Euh, bon, il y en a qui en coûtent plus ou moins cher. Croquillage la Marine. Il y en a une, euh, je crois qu'elle est dans les niveaux 150, euh, enfin 50, et elle coûte euh, très très cher. Crockpit piloté. Crockpit. Vous voilà, voyez, regardez les camas que je me suis fait ce matin, juste en faisant euh, quelques petites cats. Croquis. Croquis l'esquissé, 115 000. Vous avez Croquage la vorace que j'ai en. Euh, bon, peut-être Croquine l'allumeuse. Allez, c'est parti. Et là, vraiment, en faisant. Moi, ce que je vous conseille, <laughs> Croquine l'allumeuse, 1 million. <laughs> donc euh, vraiment, euh, moi je faisais juste mes... Euh, comment on appelle ça Croque nambour Vous allez voir, hein, ça coûte cher. Croque nambour 220 000, mais vous vous rendez compte ou pas Et alors ce qu'il faut savoir, croctail... Et la dernière croctail, donc ça je l'ai fait vraiment ce matin en 2 heures. Hein, 650 000, vous voyez Donc je me suis fait ce matin plus de 3 millions, plus les petites quêtes, là je me suis fait 4 millions tranquillou, euh, tranquillou bilou, sachant que je dois faire les quêtes et les, les succès en fait, tout simplement. Donc là moi je vais euh, faire les cristaux, dès que je croise en fait euh, une croquille, clac je lance direct, je capture et voilà ce qui se passe. Euh, il faut que je retrouve. Moi ce que je vous conseille c'est vous les vendez maintenant et vers euh, août vous allez voir tout le monde les aura fait ces quêtes, tout le monde les aura capturées, il y aura tellement de, en HDV que ça ne coûtera plus rien. Et donc avec les camas que vous êtes fait, vous les rachetez à très très bas prix Et puis, euh, et puis vous vous les faites et si jamais de toute façon à partir du deuxième mois donc là ce sera août euh, vous allez voir, il euh, n'y a plus personne sur l'île. Donc, pour faire les avis de recherche euh, et capturer, ben, c'est euh, vraiment gratuit. Donc, voilà les euh, meilleures astuces que je vais faire. Donc, aujourd'hui, moi, je vais tout, euh, tout mettre en vente un petit peu. Je vais même, même peut-être euh, créer une petite pénurie sur euh, 2-3 captures qui coûtent 100 000, histoire de les monter à 300-400 000. Je les revendrai 400 000. Je me ferai pas mal de camas. N'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est vraiment à ce moment-là, pendant les 2-3 premières semaines, où il faut vraiment euh, charbonner, achat, revente euh, et on scrute. Et puis voilà, on se retrouve en jeu, je vous dis à la prochaine. Ciao bye, bye.